Il y a de cela plusieurs lunes, sur la lointaine planète de Gygax, un esprit maléfique innommable régnait en maître. Cet être impitoyable avait acquis une puissance sans pareille, et se préparait à détruire tout ce qui était bon et juste dans l'univers. Avant qu'il ne puisse accomplir son sombre dessein, les forces de la lumière s'unirent, et dans leurs heures les plus désespérées, renversèrent le maître du mal de son trône. Il fut emprisonné dans un endroit inaccessible, car s'il devait être libéré, cela signifierait la fin de toute existence. Ok, voilà le topo, mec. Le gagnant est le maître de l'univers et le perdant sera enterré vivant. Pigé ? C'est clair. À vos marques. Prêt ? Vas-tournant ! T'es foutu, Mimi ! Tu m'as raté, Blaireau ! Ah, tes fesses ! Ouais, 5 points de bonus fessier ! Balle tournante ! Balle tournante ! 2 ! Balle tournante ! 3 ! 3 d'un coup ! 4 ! Génial ! 4 points pour moi ! Je vais t'avoir avec le volte-face, pourriture, tu vas voir ! Prépare-toi un sandwich à la boue, bouffonne ! Volte-face ! Gagné ! Maintenant, creuse le bleu. Foutu volte-face. Continue de creuser, mon vieux. Hey ! Grouille-toi, comme ça je t'enterre et je vais enfin me coucher. Je vais emmener ton lit dans ma chambre et me faire un... Comment t'appelles ça ? Oh, un super lit. Ah ouais, c'est cool. C'est un cercueil ? Grand-mère est enterrée ici ? Je crois pas, non. Fais voir ça. Ça a l'air bien coincé. Peut-être que si j'appuie sur un de ces trucs... Oh, non ! Je suis la championne de la balle tournante. C'est moi qui gagne les trésors. Ouais, c'est sûr. J'essaie. Amstram, cram, pique et pique et coller, cram. Wow ! Du premier coup ! Viens voir, maman. Pousse le trou ! Grouille avant que papa et maman le voient ! Va plus vite, tête de nœud! C'est ce que je fais! Luc, Mimi, vous savez quelle heure il est? 9h? Il se passe quoi à 9h? Rentrez, c'est l'heure de se coucher. Papa ? Ça va, mon vieux ? Est-ce que les monstres, ça existe ? Eh bien, tu vois, Luc, dans un sens, ce sont les humains, les vrais monstres. Donc oui, ça existe. D'accord. Ce que ton génie de père essaie de dire, c'est que non, les monstres, ça n'existe pas. Mais t'as quoi, la tête ? Quelqu'un a perdu à la balle tournante. Encore ? Mimi, j'ai pas envie de me répéter. Tu te souviens de ce qu'on a dit la dernière fois à propos de la balle tournoyante ? C'est la balle tournante ! En plus, c'est même pas ma faute. Regarde les vidéos, Luc est nul. C'est pas bien grave, ça. Vas-y doucement avec ton frère, ou bien alors il ne voudra plus jamais jouer avec toi. C'est quoi le truc avec les monstres ? Ça existe pas, ou les deux à la fois ? Mais vous avez quoi avec les monstres ce soir ? C'est juste que si des monstres viennent pour nous tuer, vous pouvez faire en sorte que...
Vous pouvez faire en sorte qu'il tue Luke en premier? C'est méchant. Mais d'accord. Mimi, c'est horrible de dire ça. Pourquoi? Traîtresse! Bonne nuit, la cinglée. Papa! Aucun prêteur sur gage de la ville va vouloir de cette merde. Si c'est de la camelote, pourquoi ce vieux type s'est battu quand on lui a foutu une raclée, hein? Je me suis foulé le poignet en frappant ce vieux schnock. Regarde ça. Pourquoi tu veux voler ce vieux truc? Va te faire foutre, trou du cul. Il faisait noir, et c'est un joli cadre. Plus maintenant. Baragouine quoi, mon pote? Tu baragouines quoi? Oh. Une variation de la langue erronéane, comme c'est primitif. Dégageons d'ici! Ce type est complètement défoncé! Hé, hey, toi, le mec sans couille! On a déjà tué un trou du cul ce soir, et on le refera avec plaisir! Votre chair est peu évoluée et fragile. Peut-être que dans quelques millénaires, vous ferez de dignes adversaires. Oui. Mais pas aujourd'hui. C'est un très gros trou. Comment t'as pu creuser ça, hein? Ok, d'abord je tiens à dire, bon travail pour le trou, mon fils. Merci. Et puis je tiens aussi à dire que c'est totalement inacceptable. Ah. Quelqu'un va devoir reboucher ça. N'importe qui. Par exemple, l'un de vous. Je vote pour papa. Moi aussi. Oui, moi aussi. Et de mon côté, je pense que je vais voter pour vous trois. Non. En tant que famille. Non. On ça marche d'équipe. Pas comme ça. Très bien. Tant pis pour la démocratie. Fais la vaisselle, Greg. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Selon moi, je dirais qu'un alcoolo est revenu d'une cuite hier soir et pensait qu'il pouvait faire du motocross dans ce trou et il est tombé dedans. Ça pourrait être quoi d'autre? Peut-être un raton laveur? Ça n'a vraiment aucun sens. Oh! Oh! Oh, ma main! Ça va? Ciel, ma main! Ça t'a pas pris bien longtemps. Oh, ça
faites trop mal, Suzanne. Ok, d'accord. Oh, bien. Mon Dieu. Allez. Oh, Suzanne. Aïe, même quand tu regardes, ça fait mal. T'as vu la taille de ces espèces de marques de griffes? On devrait dire à quelqu'un ce qui s'est passé. On devrait peut-être en parler à la police. Je fais pas du tout confiance aux flics. On fera nos recherches par nous-mêmes, ce soir. C'est de la folie. On sait pas ce qu'il y avait là-dessous. La folie, c'est que t'es vraiment qu'une sale flippette parfois. Mets bien ta couche culotte, parce qu'on va trouver ce qui est sorti de ta tombe la nuit dernière. Comme un duo de vrais héros américains. T'as pigé? Ouais, j'ai pigé. Hé, hey, mec! Salut, Alistair. T'as réussi à battre le boss final? Ouais, mec, en difficulté normale. Salut, beau gosse. Ta tenue du jour te va vraiment bien. Pourquoi tu m'emmènerais pas faire un tour, mon joli? Non, merci. C'est pas grave. Mes cahiers! Oh. Est-ce que ta sœur est folle? Mimi, regarde! Par là. Ça peut vraiment pas être un alcoolo. Regarde comme ses pas sont réguliers. Sans blague, quand est-ce que papa a déjà eu raison sur quelque chose? Ouais, bien vu. Je veux pas y aller. Tiens, prends ça. Je l'ai appelé le tueur de Luke. Il te protégera. Ça marche comment, ce truc? Aïe! Il m'a coupé, ton truc pourri! Tu l'utilises n'importe comment. Le tueur de Luke, c'est plutôt moi qui vais te tuer. Et... Mimi! Attends! Et merde! Aussi. Je sursaute parce que tu sursautes. Cet endroit est dangereux. Y a pas quelqu'un qui est mort quand c'était encore une usine à chaussures? Y a jamais personne qui est mort en fabriquant des chaussures, Luke. C'est n'importe quoi. En plus, la chose la plus dangereuse ici, c'est moi. On devrait sortir d'ici. Hé, hey, sale type! On sait que t'es là! Montre-toi ou... Ou sinon je te brise tous les os pour en faire de la poussière. Non, ça sonne pas bien. C'était super nul. Allons-y. C'est bien de la peur que je sens, comme c'est mignon. Dieu. Mec, c'est comme ça que l'autre m'a appelé. Et tu, toi aussi, un mec. Tu es une bien plus petite créature, peu importe. Tu vas souffrir comme tous les autres. Tu verras que grâce à la douce libération que t'offre la mort, tu n'auras pas à assister à la destruction de ta planète, ni à voir tous ceux qui te sont chers se noyer dans une mer faite de leur enfance. Ferme-la! Hein? Non, quoi? Je suis pas un mec. Moi, je suis une meuf. Et tu vas lâcher ma méga flippette de frère tout de suite. Mimi, regarde. Oh non. C'est à toi. Parle. La gemme de Praxidike, c'est impossible. Oh que si, mec. Arrête ton petit cinéma et explique-nous, ordure.
Cette gemme et moi ne faisons qu'un. La personne qui la manipule est capable de me commander tant qu'elle reste en sa possession. Mais sache une chose, petite, le pouvoir que tu exerces sera de courte durée. Mais d'abord, essayons ces jolis joujoux. Très bien, monstre machin. Attrape mon frère et... fais-le tourner sur lui-même. Hé, Sœurette, arrête! Ça fait mal! Très bien, repose le pleurnichard. Assez. Plus longtemps on jouera à ces jeux d'enfants, plus votre mort sera horrible. Ça, ce n'est qu'un petit exemple de ce dont je suis capable. Sa douleur éternelle emmènera son esprit au-delà des limites les plus lointaines de la folie. Il sera maintenu pour l'éternité dans un état de... Non ! C'était mon chef-d'œuvre. Oh. Désolé, mec. Merci. T'as un nom ? Le mec monstre ? Aucun nom ne peut englober ma sombre détermination. Bien que mes ennemis me désignent parfois comme l'archiduc des cauchemars. Eh bien, ça craint. Pas grave, on peut en trouver un. Luc ! Ouais. Je veux lui trouver un nom, mais faut que ce soit un nom frais, un nom cool. On peut pas faire ça. Il va nous tuer. Ah, tu prieras pour une chose aussi douce. Je boirai des cris sans fin pendant que je déchirerai... Le Tavanosaurus. C'est pas mal, ça, tu sais. Quoi ? Sirotonnerre ? Cobra l'Orcane. Le grand méchant vengeur. Détraqué sans cœur. Et pourquoi pas Pourfendeur d'ombre ou même Assassiman. Chevalier noir à la grosse tête ? Non, c'est trop glauque. Que dis-tu du seigneur noir des gros poutous ? Hein ? Jamais je n'accepterai un tel titre. Arrête de courir et tape dans tes mains pour... jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Qu'est-ce que tu penses de Psychoman ? Gorman ? C'est ça. J'ai trouvé un bon nom ? Non ! Arrête de taper des mains ! Son nom sera... Psycho Gorman ! Ou Peggy pour les intimes. Je ne vois pas en quoi c'est mieux que l'archiduc des cauchemars. Psycho Gorman, c'est génial ! C'est amusant, c'est branché, c'est wow ! Et c'est tendance ! Tu fais une terrible erreur, petite créature infecte. Bientôt, je récupérerai la gemme, et quand je l'aurai entre mes mains... Je vais te rencontrer, Peggy. Je suis Mimi. Et je suis Luc. Oh ! Je maîtrise des pouvoirs inimaginables pour vos simples esprits. Bientôt, vous implorerez ma clémence. Mais sachez que vous n'aurez que douleur et souffrance. Toc, toc. Quoi ? Toc, toc. As-tu déjà succombé à la folie ? T'as juste à dire qui est là. Sérieux, tu viens de quelle planète ? Gigax. Qui est là ? Moi ! La championne de la balle tournante de l'univers. Et la championne a dit... Va là-bas, assieds-toi, ferme-la, et t'attends qu'on revienne demain matin, tu piges ? Pige quoi ? Allez, vas-y ! Tu souffriras pour l'éternité pour tout ça. Ouais, ouais. Je me demande bien quelles émissions il préfère. Tu crois qu'il aime le fromage fondu et les tacos ? On devrait lui apporter des cadeaux de bienvenue avant de l'emmener en ville. Qu'est-ce que tu veux dire par l'emmener en ville ? Bah quoi, je dois le montrer ? Je serai la meuf la plus cool de l'école. Mais il va tuer tout le monde si on l'emmène quelque part. Non, il tuera personne, à moins que je lui demande de le faire. Mimi, je suis toujours partant pour suivre tes idées de folle, mais... on doit réfléchir à cette idée-là. D'accord. Je vais quand même devoir lui apprendre des trucs sympas à faire. Et voir les trucs cools qu'il sait faire. Pah ! Kah ! Kah ! Faites bien attention, tout le monde. C'est le moment pour Mimi de briller. Thank you.
ingénieurs Fasic ont analysé la résonance cosmique et ont confirmé nos soupçons. Le mal absolu s'est réveillé. Comment cela est-il possible? Qui aurait pu déchiffrer la séquence qui permet de libérer la gemme de Praxidike? J'ai validé la séquence moi-même. Celui qui l'a résolue doit avoir une intelligence qui dépasse de loin la nôtre. Ce qui est une notion que je trouve assez grotesque, je dois dire. C'est vraiment absurde. C'est vrai. Assez. Notre erreur a été d'être miséricordieux envers ce démon au lieu de le faire disparaître à jamais de la galaxie. Il est clair que les règles des accords d'unité gigaxienne nous ont fait défaut. Que suggérez-vous, Templar Pandora? Il est temps de faire régner la justice grâce au code des Templars. Il n'y aura pas de procès pour cette abomination. Le seul et unique verdict possible est qu'il doit mourir de ma main. À lui seul, il a rayé des planètes entières des cartes. Comment espérez-vous le vaincre seul, hein? Je ne le crains pas. J'ai foi envers les dieux. Ils veilleront sur moi et me protégeront. Ce n'est qu'un ramassis de superstitions à mes yeux. Qu'avez-vous dit? Non, j'ai rien dit. Vous ne me croyez pas? Je vous crois, Templar, on plaisantait juste entre garçons, et donc alors... faut pas que vous... Que je croie? Je pense que c'est un excellent plan, alors pourquoi ne pas passer à autre chose? On a encore beaucoup de sujets à traiter, alors... Ne croyez-vous pas que c'est mon destin que de faire disparaître ce génie du mal de l'univers? N'oubliez jamais que c'est nous, les Templars, qui avons débarrassé vos mondes du fléau de cet esprit maléfique. C'est la volonté des dieux qui vous a sauvés, mais ils peuvent tout aussi bien tous vous décimer jusqu'au dernier. Souvenez-vous de cela. Oui, vous êtes trop aimable. Quelles sont les créatures de cette planète? Les humains, votre sainteté. Apporte-moi donc un de ces humains maintenant. Où est-ce que je suis? Viens ici, ma chère. N'aie pas peur. Ne nous échappera pas cette fois-ci. La lumière du ciel fera toujours s'éteindre l'obscurité du mal. Wow. Que les dieux veillent sur moi. Président a dit, Ménimi, c'est tous les jours ton anniversaire. Et du coup, j'ai commencé à manger tout le gâteau pendant qu'il diffusait ça sur les chaînes du monde entier. Et c'est là que je me suis réveillée. C'est grave nul parce que je voulais finir de manger ce gâteau délicieux. Oh. Ok. Et donc, c'est qui ce type qui vit dans l'ancienne usine de chaussures? Ah, tu vas l'adorer, Alistair. C'est un gros monstre effrayant qui veut tuer tout le monde. Hein? Quoi? Eh, hey, un de vous pourrait venir m'aider? Non, merci. Nom d'un chien. Oh! T'as vu ça? Impossible. Peggy? Réveille-toi. Oh! Peggy, réveille-toi! Je vais te présenter notre ami Alistair. Attends, tu crois qu'il fallait le nourrir? T'es en vie, mon vieux? Arrête! Bien essayé!
bref, Alistair, voici Psycho Gorman, ou Peggy pour les intimes. Silence. Ok. On t'a apporté un peu de lecture, Peggy. Et une télévision à regarder. Tu as bien dormi? On est désolé de pas t'avoir apporté de porno. Un minable étalage de richesse. Comment vos courtes durées de vie peut-elles se permettre un tel narcissisme? Ouais, mais regarde tous les beaux gosses. Moi, je me fiche des beaux gosses. Ou peut-être pas. Peggy, je peux te demander quelque chose? Non. Peggy, j'aime pas cette attitude. Sois gentil, s'il te plaît. Luc, repose ta question. Je peux te demander quelque chose? Quoi? T'es... quoi? C'est un conte baignant dans le sang des souvenirs d'un million de morts. Je suis né dans un temps avant le temps, sur la planète Gigax, un monde à des années-lumière du vôtre. Mon existence entière fut servitude. J'étais sous la coupe d'êtres qui prétendaient servir une puissance supérieure qui nous dominait tous. Ces entités connues sous le nom de Templars n'avaient pas plus de but divin que celui de la Terre que j'ai excavé pour construire leur église. Mais ils ont tout de même réussi à écraser le peuple de Gigax sous leurs talons dorés. Les Templars nous ont prêché leurs saintes écritures et se sont auto-proclamés propriétaires légitimes de Gigax. Pour eux, nous n'étions rien de plus que des parasites empiétant sur une terre sacrée. Hein? Ce bonbon était chelou. Mais un jour, tout a basculé. J'ai découvert un artefact que l'on croyait perdu à jamais, forgé par d'anciens sorciers gigaxiens à partir de l'énergie provenant des coins les plus sombres de la galaxie, la gemme de Praxidaek. J'ai pris la gemme entre mes mains. J'ai ressenti son immense pouvoir et mon destin s'est imposé à moi. Je détruirai les Templars et tous ceux qui se dresseraient contre moi. S'est lié à moi et m'a donné un pouvoir surpassant celui de toute autre entité. J'ai pu lever une armée avec mes fidèles généraux, les paladins obsidiens, et nous avons repris Gigax. Mais je ne me suis pas arrêté là. Il est clair que ma soif de mort ne serait assouvie que si je détruisais toutes les villes dans l'univers. J'ai été renversé et emprisonné par les Templars et leur alliance planétaire. Ils ont volé la gemme et avec elle, mon pouvoir. Jusqu'à ce jour, je ne comprends toujours pas comment des insectes aussi faibles d'esprit ont pu vaincre la plus grande puissance de la galaxie. Oh, la télé marche.
Elle m'a saoulé ton histoire sans queue ni tête. Allons-y, les gars. Peggy, tes devoirs, c'est de regarder plus la télé et d'apprendre à être plus drôle. Autrement, je vais devoir te punir. C'était sympa de te rencontrer. Ça aurait été plus agréable si tu étais mort. Ouais, d'accord. Salut. L'énergie passe par cette boîte. Ça devrait suffire. Esprit de l'électroverse, trouvez mon monde et dites aux paladins obsidiens que leur maître est de nouveau debout. La gemme de Praxidag a été prise par deux morceaux de viande d'enfants en cervelle. Vous devez récupérer la gemme, même s'il faut l'arracher de leur petite main morte. Merci de m'avoir invité à rester pour le dîner, Madame Allenbeck. Ravie de t'avoir à manger, Alistair. Oui, ravie de t'avoir. Mais j'étais occupée à reboucher le trou dans le jardin, donc malheureusement, c'est Monsieur Allenbeck qui a eu le plaisir de jouer au chef cuisinier ce soir. Ce poulet est vraiment bon, hein, Alistair. C'est ma recette spéciale. C'est un peu sec, papa. C'est à cause du micro-ondes, mais il fait ressortir la saveur. Qu'est-ce que les trois petits fous ont fait aujourd'hui? On a joué au pistolet dans la forêt. Au pistolet? Ça, c'est amusant. À l'époque où j'étais dans l'armée, on jouait tout le temps au pistolet. Sauf que ça s'appelait la guerre d'Irak. On jouait pour de vrai. Ça veut dire qu'on tuait des gens. Oh, n'écoutez pas ce G.I. Joe-là, il n'a jamais tiré avec une arme à feu de sa vie. Enfin bref. On peut jouer aux jeux vidéo avec Alistair? Va poser vos assiettes près de Lévi, d'accord, chérie? Mais, Alistair, les jeux, c'est pour les geeks. Tu veux pas plutôt aller dehors et jeter des ballons de basket sur Luke? Oh, oui, merci, mais j'ai vraiment envie de geeker. On y va. Je suppose que je vais jouer toute seule, alors. Mimi, tu peux revenir et finir tes brocolis, s'il te plaît? Non, je peux pas, les championnes ne mangent pas de brocolis. Au moins, elle a fini mon délicieux poulet. En fin de compte, c'est pas ça qui compte vraiment. Elle l'a pas fini. J'ai entendu dire que Kyle avait mis tous ses poils pubiens dans un sac et qu'il les avait vendus à Mason pour 5 dollars. C'est ouf, non? Mec, il va faire quoi avec des poils pubiens? Oh, qu'est-ce que tu fiches, Mimi? Hein? T'en as mis du temps pour venir. J'ai pas toute la nuit. Le temps est une construction factice qui n'existe que pour les êtres primitifs incapables de se mettre en phase avec la 9e dimension. Et aussi, je me suis perdu. Mimi! Mais qu'est-ce que tu fiches? Il peut pas venir ici. Il peut venir là où je veux qu'il vienne. T'as oublié? Lève la tête, gros cul. Dans le mille! Ça me rappelle une ancienne technique de torture que j'ai apprise des vers de Janus. Il y a de nombreuses lunes de ça. Ils bombardaient leurs prisonniers. Je peux partir, là? Ça devient vraiment trop bizarre. C'était des gens bien. Sévère. Je m'en fous complètement de tes vieilles techniques. À moins qu'elles te permettent de guérir Alistair de son côté super loser. Une fois, j'ai utilisé ma magie pour aider le seigneur de la guerre de Zatonia à séduire la princesse de la lune. Je peux faire la même chose pour toi si tu le souhaites. Tu peux lui donner envie de lancer des ballons de basket avec moi? Très bien. Je me casse. À plus tard, tout le monde. Fais-le. Qu'il en soit ainsi. Ah, tes souhaits sont mes ordres. Oh, bon sang. Greg, qu'est-ce que t'as fait au micro-ondes? J'ai juste cuisiné un super repas pour ma famille. Je t'en prie. Tu parles. Il est complètement foutu. Je t'en prie. Merci bien. L'histoire commence dans un lointain village.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu lui as fait? Éloigne-toi de mes enfants! Ma bague porte-bonheur! C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu oses te dresser contre moi avec une arme aussi pathétique non, c'est pas moi. Que celle-ci? C'est elle! Abruti! Non. Ne fais pas de mal à mes parents! C'est un ordre! Maman, papa, je vous présente mon nouveau meilleur ami, Psycho Gorman. Ou Peggy pour les intimes. Je m'en fous de savoir son nom, tu dois appeler la police! Tu te moques de moi? Un flic va faire quoi face à cette chose? Est-ce qu'il va nous tuer? Impossible! Peggy est un gros nounours. Il ferait pas de mal à une mouche. Pas vrai, mon pote? Mon existence entière se résume à la mort et à la destruction. Je vais vous tuer tous les deux. Non. Tu les tueras pas. Peggy fait juste l'andouille. Il fait partie de la famille. N'ayez pas peur. Ayez peur. Lorsque je serai libéré du contrôle de votre vie, je me baignerai dans votre sang. Peggy, t'es complètement barge. Je vais vous tuer. Du temps chargé. Bowling à 10h et ensuite un petit brunch pique-nique qui devra se terminer vers midi pour que maman puisse nous emmener à l'épicerie. J'ai mis 4 heures de battement pour la cuisson, du coup j'espère que ça va suffire pour faire cuire les 12 gâteaux. Waouh! J'adorerais que mon visage puisse faire ça. Tu manges quoi chez toi, Peggy? La nourriture n'est pas juste un moyen de subsistance sur Gigax. Elle fait partie du code d'honneur. Être mangé est considéré comme la meilleure mort pour un soldat. Je me souviens de la bataille sur le pont des armes. J'ai réussi! Voici le nouvel emploi du temps. 6 heures pour la cuisson. Et on fait passer le karaoké... à dimanche. Boum! C'est bien comme ça? Bien sûr que oui. Affaire classée, le juge Mimi sera de retour après cet échange amical. Tu m'en voudras pas si... J'allais les manger, je te signale.
Je pense que t'as fini, Grolard. Les championnes doivent manger. Trop bon. La barrière du rêve et tu sillonnes le royaume des cauchemars. C'est ici que je peux communiquer avec toi en privé, dissimulé dans tes sombres pensées. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu sais ce que je veux. La gemme. Ce jeu tordu doit prendre fin. Récupère la gemme pour moi pour que je sois libre. Je peux pas faire ça. Mimi a trouvé la gemme. Elle est à elle, maintenant. Celui qui trouve garde, c'est la loi. Combien de temps faut-il avant que les autres apprennent mon réveil et qu'ils envahissent cette petite planète qui est la tienne? Tôt ou tard, la gemme sera à moi. Aide-moi maintenant, et je pourrai envisager d'épargner ta vie. Je peux pas trahir ma sœur comme ça. Parce que tu penses qu'elle te ferait la même fleur. Je sais pas. Je vois la façon dont elle te traite. Ces petits tourments ne sont que le début. Combien de temps faudra-t-il avant qu'elle ne fasse passer sa vie avant la tienne ? Elle ferait jamais ça ! Enfin, je crois. Tu sais que c'est la seule solution. Donne-moi la gemme pour que nous puissions tous les deux être libérés de sa folie. Je suis désolée, mais je pense pas en être capable. Si je t'aide, ça ne mènera qu'à de mauvaises choses. Bien. Tu es plus fort que je ne pensais. Mais aussi incroyablement stupide. Alors ? Il va se passer quoi maintenant ? Nous attendons que ton rêve se termine. D'accord. Très bien, les gamins. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui est confidentiel. Le gouvernement n'a pas le droit, en aucune façon, de connaître ce jeu. Compris ? Ok, donc il y a deux équipes. Chaque équipe commence par lancer ses balles aussi loin que possible. Les autres joueurs doivent lancer leurs balles aussi haut que possible. Et ensuite, tu tournes sur toi-même, comme mais ça. Mais seulement pendant que le joueur adverse ensuite, fait sa course folle. Celui qui est touché doit prendre la balle. Mais il existe un mouvement spécial appelé le volte-face. C'est quand deux balles entrent en collision en plein vol. Et quand ça arrive, celui qui frappe son adversaire en premier obtient tous les points de l'autre équipe, plus un. Ok, le jeu se termine lorsque tu atteins 67 points. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et toi ? Éloignez-vous des enfants! Tout de suite! C'est quoi ce truc? On fait comme à l'entraînement, ok? Laisse tomber! Tue-le! J'aurais dû les laisser vous tirer dessus. Grouille-toi, Peggy, faut qu'on bouge! Vous êtes les protecteurs de ce royaume, je présume. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Mais qui êtes-vous, bon sang ? Qui je suis ? Tu vas bientôt le savoir. Ah !
Je suis ton maître maintenant. Dis à ton peuple que les ténèbres sont tombées. Résiste encore une fois aux griffes de mon pouvoir, et tu recevras le même châtiment que ton ami. Va-t'en. Vince, donne-moi les clés. Vince, les clés. Merde, merde. Voici un nouveau concurrent pour votre jeu à la noix. Oh non, maintenant je dois tout recommencer. Ok, il y a deux équipes. Chaque équipe doit lancer son ballon le plus loin possible de l'autre équipe. Tu comprends? Tu vois, il comprend. Je suis contente qu'un monstre me comprenne. Cette chose ne peut qu'acquiescer à ce que tu dis. Peu importe, c'est compliqué, je comprends. C'est parti. Je pense qu'Alistair veut rentrer. À plus, Alistair. Je reviens. Bouge pas. Est-ce que ça va? Oui, c'est juste... Quoi? Tu penses que je serai à nouveau normale un jour? Je ne pense pas, mais... on s'en fiche. Je t'aime comme tu es. Oh, d'accord. Oh. Salut, Alistair. Tu es un magnifique plum. Vous savez, les gros mots sont utiles pour plein de choses. Si tu te casses l'orteil, tu peux te dire « Aïe, mon foutu orteil !» Ou si tu vois un truc de fou ou bizarre, tu peux te dire « Putain, c'est quoi ça ?» Mais la meilleure, c'est quand on a marre de quelqu'un. Par exemple, tu dis... Vas-y, dis-lui, Luc. Va te faire voir. Va te faire voir. Ça, c'est quand on a vraiment marre. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de carte spéciale? C'est une blague? Je vous ai dit de m'écrire des lettres d'amour pour me dire que j'étais incroyable. Une si belle carte, quel dommage. Qu'est-ce que l'amour? C'est un peu comme si tu te sentais sur un nuage quand tu vois quelqu'un. Comme lorsque tu arraches la colonne vertébrale de ton ennemi et que tu l'exposes à sa famille en deuil. Non, pas exactement. L'amour, c'est un sentiment heureux. Envers quelqu'un qui compte pour toi. Tu te sens enfin bien. Comme si jusque-là, il manquait quelque chose à ta vie. Je ne ressens que de la colère, de la haine. Ça ne marchera pas pour moi. T'inquiète pas pour ça, Peggy. L'amour, c'est pour les losers, ok? Ah ouais? Je croyais que t'étais amoureuse d'Alistair. Ça compte pas. On est juste des amis qui vont se marier et être ensemble pour toujours. Et se disputer comme des parents. Peggy, je n'aime pas la façon dont Luc se moque de moi. Tue-le, s'il te plaît. Non, pitié! Stop! Je plaisante! Ta tête! On aurait dit un chat effrayé. T'étais là en mode... Non! Oh. Oh, si proche. Ça suffit! Maintenant, à toi de tirer le chariot. Plus vite, tu m'entends? T'en fais pas, mon pote. T'es en sécurité maintenant. C'était horrible. Ses yeux...
C'était comme s'il regardait au fond de moi. Et Vince... C'est pas vrai. Excusez-moi, humain. Je recherche une créature diabolique qui a été enterrée ici il y a longtemps. Elle est dangereuse. Elle a probablement déjà massacré la moitié de votre peuple. Vous l'avez vue ? Ne le prenez pas mal, mais votre description est un peu vague. Je l'ai vue ! C'est cette chose qui a tué Vince ! Bon sang, mais t'as pas écouté ce que ce pauvre homme a dit ? Non. Quel crétin. Je dois la retrouver. Dites-moi ce que vous savez. J'ai un mauvais pressentiment. Quoi ? Tu dois partir, c'est ça ? Bienvenue sur la terre des vivants, maître. Épargne-moi la théâtralité, Darkscream. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Nous sommes venus le plus vite possible, monseigneur. Laissez-moi être le premier à dire qu'on est très heureux de vous voir en vie. Peggy, est-ce que ces stupides créatures sont tes amis ? Pourquoi tu nous les présentes pas, voyons ? T'en es sûr, Mimi ? Oh oui, les paladins. Voici Mimi et... son frère. C'est Luc. Tu devrais connaître mon nom maintenant. Ce sont ces humains qui m'ont libéré. C'est vrai, mais de rien. Mimi a la gemme de Praxidaig. Ne t'inquiète pas, elle ne sait pas comment l'utiliser. Maintenant, tuez-les. Maître, voyons, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Excuse-moi. On aime les choses comme elles sont maintenant. Vous vous moquez de moi ? Loin de là, Maître. Nous sommes ravis de diriger nous-mêmes la cinquième lune de Gigax en partageant les tâches de manière égale. On se relaie au poste de chef pour que tout le monde ait une chance équitable. Comme vous pouvez le voir, c'est mon tour aujourd'hui. Laisse-moi deviner. Vous avez passé un accord avec ces sales cubénis de Templar. En échange de votre détention, ils ont accepté de nous épargner tout autre désagrément. J'ai placé toute ma confiance dans la lie de la galaxie, et c'est comme ça qu'on me remercie. J'aurais dû me méfier de vous. En particulier de toi, Cassius 3000. J'ai toujours su que je ne pouvais pas te faire confiance. Oh, ça va. On savait tous que ce jour arriverait. Alors, si tu t'allongeais pour mourir comme un brave monstre, ok ? Ah, comme un brave petit monstre, haha. Bande d'imbéciles, la croisade de Pandora ne disparaîtra pas avec moi. Elle tombera sur vos misérables carcasses bien plus tôt que vous ne le pensez. Ce trône alterné n'est rien d'autre qu'un symbole de votre propre incompétence. Ensuite, on va échanger cette couronne contre une autre faite de ton crâne brisé. Allez, tuez-le ! Peggy, je t'ordonne de t'arrêter ! Quoi ? Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu leur as dit de me tuer ! Mais c'est toi qu'ils vont tuer ! On va voir si ça te plaît ! Tu penses que ça va durer longtemps ? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois pas qu'il devrait s'excuser? T'as raison. Hé, hey, Peggy! Quoi? Fais tes excuses! Je suis désolé! Non, pas comme ça! Essaie encore, mais cette fois, tu dois être vraiment sincère! Jamais je ne te ferai d'excuses! Ce serait trahir tout ce que je représente! Plutôt mourir que... Oui, crie pour moi! Très bien. Tu veux pas t'excuser, Peggy? C'est ton problème. Viens, Luke, on s'en va. Attends. Attends. Oui, tu as quelque chose à me dire? Je suis sincèrement désolé, petite créature. Super! Excuse acceptée. Tu vois, c'était pas difficile. À toi de jouer, mec. Madame, tu as fait un choix, tu en assumes les conséquences. Ne fais pas ça. Regarde dans ce trou noir et vois ce qui se cache dans ces ténèbres. Tu vois, c'est là que se trouve la véritable obscurité au plus profond de nos âmes. Je comprends maintenant. Dans l'au-delà, peut-être seras-tu couronné roi des fous. N'en sois pas si sûr. Attends que les Templars te trouvent et te renvoient dans ta prison obscure pour toujours. Tu as beau être un imbécile incohérent, tu t'es battu honorablement, alors je vais te donner une mort de soldat. Non, pitié! Ces images vont vous hanter jusqu'à ce que vos morts misérables vous consument. Cool. On peut rentrer maintenant. Oui, il est temps de se reposer. Peggy, qu'est-ce que t'as? Je suis en train de mourir. Quoi? C'est évident.
Ils ont dû garder de mon sang de la bataille des gardiens de la zone, et ils en ont empoisonné leur lame. C'est très intelligent de la part de Darkseem. On peut pas te porter à deux. On doit aller chercher de l'aide. Bonne idée, Einstein. Comment veux-tu qu'on fasse, gros malin? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Oh oui, j'ai acheté une nouvelle télé. Juste pour info, je vais prendre quelques semaines de congé pour que ma main puisse guérir complètement. Alors tu pourrais faire des heures supplémentaires à la pharmacie pour m'aider à payer cette beauté. Non! Hé! Y a un problème. Et si tu bougeais ton gros cul, hein? Lève-toi! Rembats ta précieuse télé et bouge ton cul de paresseux! Paresseux? Comment oses-tu? Tu sais à quel point je déteste ce mot. Mes parents l'ont utilisé, mes professeurs l'ont utilisé, et maintenant toi? Honte à toi, Suzanne. Je te croyais mieux que ça. Tu sais ce que je déteste, Greg? Je déteste la manière dont tu trouves toutes les excuses possibles pour ne pas aller travailler, t'occuper des enfants ou faire la moindre petite chose dans la maison. Oh, je ne fais rien, hein, c'est ça. Et tu fais quoi au juste, hein? J'attends. Oh, tu penses que t'es mieux que moi, hein? Tu penses vraiment être mieux que moi, hein? J'ai une licence en littérature, moi. Qu'est-ce que t'as fait, toi, hein? Hein? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Rien du tout. Je vais... Au ravin entre l'autoroute 11 et l'avenue Ryerson. Je ne sais pas où c'est. Tu prends la route de Prescott en direction du sud juste au deuxième carrefour. Maintenant. Peggy. Tu peux être désolée de tout ça et de ta faute. Tu pourrais faire de la place pour mon chariot, s'il te plaît? Merci, mon pote. Tu crois que je suis paresseux, Peggy? Cette dame. Les enfants, sortez du camion et venez à l'intérieur. Pourquoi? C'est qui celle-là? Elle doit parler à ton amie, d'accord? Rentrez à l'intérieur. Venez, les enfants. Vous devez vous éloigner de cette chose. Pandora! Je vois que tu es venue pour me chasser de l'univers une fois de plus. Parfait timing, comme toujours. Laisse tomber le déguisement et montre à ces humains le visage devant lequel ils s'inclineront une fois que tu les auras réduits à une servitude sans fin. Une servitude sans fin. C'est comme être marié avec toi, Suzanne.
Greg, ferme-la et sors du camion. Les enfants, entrez, d'accord? Laissez-les régler leurs problèmes ensemble. Papa? Non. Fais ce qu'elle te demande, petite. Je ne te le redemanderai pas. Excusez-moi, ne me parlez pas comme ça. Luke, voilà le plan. Tu la frappes et on se tire, ok? Elle est pas aussi forte que ça. Ne vous laissez pas tromper par son apparence humaine. Elle est bien plus puissante que vous ne le pensez. Merci pour l'info, Peggy. Luke, tu la frappes. Mais Peggy vient de dire que... Tais-toi, idiot, et pour une fois, bats-toi comme un héros. Dépêche-toi. Tu sais quoi, Mimi? Je peux pas. Je peux pas le faire. Va frapper cette dame, Luke, ou je t'explose la tête, sinon. Ça va beaucoup trop loin. J'en ai marre. Débrouille-toi toute seule. Bien, alors, je te vire du groupe. Greg, pour une fois dans ta vie de feignasse, tu n'as pas à faire quoi que ce soit, d'accord? Sors de ce fichu camion et viens avec nous à l'intérieur. Je suis qu'un paresseux pour toi, Suzanne. Greg. Accroche-toi, petite. Greg, je t'interdis de faire ça! Salut! Nous devons agir rapidement avant qu'il ne puisse se régénérer. Cette bête va consommer toute la lumière de l'univers si nous ne l'arrêtons pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Suivez-moi. Doucement, doucement. Et voilà. Je vais te couvrir avec ça, ok, Peggy? La fin est bientôt proche pour moi. Tiens bon, Peggy. Ne me laisse pas tomber, non. Il n'y a qu'un seul remède à cette malédiction. Tu dois me donner la gemme. Quoi? Non, non. Tu vas tous nous détruire. C'est le seul moyen. La gemme est liée à ma force vitale. Une fois en ma possession, je retrouverai ma force. Excusez-moi, Monsieur Gorman. Laissez-moi discuter avec ma fille un moment, ok? Merci. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai peur. Je suis complètement perdue. Tout d'abord, ce n'est pas vrai. Je sais pertinemment que tu n'as jamais eu peur de quoi que ce soit dans la vie. T'as raison. Écoute, je sais que je ne suis pas le meilleur des pères ou le plus intelligent, mais il me reste un peu de sagesse pour toi. Quand j'avais ton âge, un type bizarre dans un van devant mon école m'a demandé si je voulais voir ses cartes de baseball. J'ai accepté sans réfléchir. Il m'a emmené à l'arrière de son van et m'a montré son énorme collection de cartes de baseball immaculées. Je me suis beaucoup amusé. Je ne regrette pas d'avoir accordé ma confiance à ce mec totalement louche. Alors je pense que tu devrais faire confiance à ton monstre louche et sanguinaire. C'est la meilleure chose à faire. Merci, papa. Merci pour le conseil. De rien, chérie. J'ai besoin de réfléchir. Je serai dans le bureau si t'as besoin. Votre époux a fait un très mauvais choix en partant avec Gorman. L'erreur a été de le laisser vivre. C'était égoïste de ma part de vouloir qu'il souffre pour toujours. Je ne referai plus cette erreur. Buvez ça.
Il est temps pour vous de me rejoindre et de réparer les torts de cet univers. Ok, pourquoi pas. Ok. C'est pas bon? La bataille finale a commencé. Le destin de l'univers repose entre les mains de Pandora. Et si elle échoue? Alors on ne pourra plus l'arrêter. Elle est notre dernier espoir. Arrête de monopoliser ces nouilles, elles sont pour tout le monde. Voilà où elle se cache. Salut Dieu. Je sais bien que je fais pas tous ces trucs de gentil que tout le monde devrait faire. Mais j'y peux rien. Et je ferai tout ce que je veux, compris? Enfin bref, j'ai besoin de tes conseils. Une énorme bataille entre le mal et le pire va bientôt commencer. Et j'ai un énorme choix à faire. Quelle paire je dois porter? C'est une question piège. Je sais que je vais porter celle-là. Attends voir. Pourquoi je te parle à toi? Il y a un nouveau dieu en ville, et son nom est Psycho Gorman. Et il vient pour toi, mon pote. Ouh. On dirait que cette télé veut pas s'arrêter de saigner. Ok. Voilà le marché. Je te donnerai la gemme pour que tu puisses tuer cette méchante dame, mais tu dois me promettre de ne pas nous tuer. D'accord? Je ne te tuerai pas, petite créature. Ni ta famille d'idiots. Tu le promets? Oui. Et si tu lui disais de ne pas tuer tous les autres habitants de la planète? Ah oui. Oups. Oups, comme tu dis. Oh non! Qu'y a-t-il? Où est la gemme? Ton temps est écoulé, créature diabolique! Et c'est pas vrai! Sors d'ici tout de suite! Écarte-toi, Mimi! Maman? Suzanne? Salut! Tais-toi, imbécile! Va-t'en, mon enfant! Il est temps que je débarrasse l'univers de cette abomination. Donne-moi la gemme, mon garçon. Non! Pas avant que ma famille soit en sécurité. C'est le marché. Vous avez pas compris? Ou quoi? Personne ne me dit quoi faire. Ni vous, ni elle, ni lui. Oui. Ni même le président. Absolument personne! Mimi, attends! Arrête ça tout de suite! Jamais! Jamais! Super jamais. Pédagogie, chérie. J'aimerais bien t'aider, mais... je suis trop paresseux. Greg? Wow! Suzanne, réfléchis à ce que tu fais. Et... Mimi, stop! Tais-toi, sale traître! Me tuer ne ramènera pas les milliers de guerriers que j'ai massacrés de mes propres mains. Non, mais ta mort annoncera une nouvelle aube pour mon peuple. Je conduirai la galaxie vers un avenir brillant. Construit sur la loi et l'ordre des Templars. Oh, vas-y, Pandora. Je crois en toi. Oh, j'ai toujours cru en toi. Oh. Alors, on ne peut pas décrocher de sa télé? C'est bien ça, Greg? Suzanne, je te pardonnerai si tu arrêtes ça tout de suite. Je veux bien aller en thérapie, en fait, si tu veux.
fin, si tu veux toujours. Pitié! Non! Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, Greg. Je pense que c'est toi le responsable de tous mes problèmes. Et je pense que l'heure de la revanche a sonné. Suzanne! Suzanne, attends! Donne-moi la gemme! Ne me force pas à utiliser ça, Luc! Papa avait raison. C'est les gens, les vrais monstres. Et toi, t'en es un. Cela ne fait-il pas partie du code des Templars d'accorder à un ennemi vaincu une dernière chance de se battre s'il le demande? Le code des Templars dit beaucoup de choses. Tu es faible. Et nous avons la gemme. Il est impossible que tu me battes lors d'un combat. Je ne veux pas de combat au corps à corps contre toi. Si tu es vraiment la soldate que tu prétends être, tu honoreras ma demande. Choisis le combat. Peu importe les circonstances, je te vaincrai. Quoi? C'est toi qui décideras du combat. Bien. Vous serez l'équipe Kraignos. Vous deux plus moi formons l'équipe héros. Si l'équipe héros gagne, on prend la gemme. Et si vous gagnez, vous aurez Peggy. Est-ce que c'est clair? Peux-tu expliquer à nouveau les règles du volte-face? Non, vous auriez dû écouter. Ok, champion, c'est parti! Vous êtes prêts? Prêts? C'est l'heure, Suzanne. Balle tournante! Je ne comprends pas le sport. Non. Greg, fais le jumping jack! Balle tournante! Balle tournante! Qu'est-ce qu'un jumping jack? Oh, c'est pas vrai! Où sont tes dieux pour te guider maintenant, Pandora? Point pour le fessier. Soixante-six points. Un point de plus et mon équipe gagne. Tu rêves, gros bêta. Ça, c'est pour m'avoir fait manger mon château de sable. J'ai été généreuse. C'était pour que ce magnifique château de sable soit en toi pour toujours. J'étais tellement malade que j'ai manqué une semaine d'école. Mais je t'en prie. Le volte-face. S'ils font un volte-face, ils gagnent. Ce jeu est complètement absurde. Amstram, gram. Piquez, piquez, c'est parti! Gagné. On a gagné. Quel goût à l'échec, Pandora.
Maintenant, donne-moi la gemme. Je ne ferai pas dans l'humour. N'approchez pas! Qu'est-ce que vous faites? Cette créature doit mourir! Mimi, va-t'en! Non! Reste derrière moi, Peggy! Luke! Donne-moi la gemme! Vite! Donne-la-moi, idiot! Je sais pas. T'es toujours méchante avec moi et... Je voudrais juste que tu t'excuses pour une fois. Je suis toujours là pour toi quand t'as besoin de moi et... Je pensais qu'on était une équipe, mais t'es toujours en train de me frapper et de m'insulter. Freak all the rest. Yeah, yeah, yeah. I'm the heckin' best. Yeah, yeah, yeah. Qu'est-ce que c'est? Est-ce de l'amour? Oui, Peggy. Chante avec nous. Freak off. Freak you. Digne de ses pouvoirs, misérable humaine. Suzanne. Greg. Je crois que tu dois m'emmener à l'hôpital. Ok? Je sens plus ma main. Je pense qu'elle est cassée. Luke, tu peux conduire? Non. Le jugement. Et... la mort. C'est fini pour toi, grosse dame de métal. Même avec tes pouvoirs restaurés, comment peux-tu espérer vaincre ma lame sacrée? Tu n'as aucune défense contre moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne te laisserai pas faire obstacle à ma sainte destinée. Va te faire voir. Je vais pas le dire. Mais faut que je te le dise, Luke. Thank you.
aucune idée de ce que tu as fait. L'univers tel que tu le connaissais n'est plus. Merci. Ouais. Je suis fier de vous, les enfants. Allez, achève-moi. Finissons-en afin que je puisse être en paix. Tu ne seras jamais en paix. Je suis allé dans l'au-delà. Les imbéciles de ton espèce y souffrent plus que les autres. Et mon nom est... Psycho Gorman. C'est un nom magnifique. Tu t'es battu avec honneur. Tu mérites de mourir en soldate. Non, pitié. On se tire. Oh non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'on y aille. C'est pas joli à voir. Pitié. Vous savez, je me souviens quand c'était une usine de chaussures. Délicieux. Et maintenant? Je vais faire ce que j'avais prévu de faire. Détruire l'univers. L'ère du chaos recommence. Oui, et... Et j'épargnerai vos vies. Garde-la. Vraiment? Je n'en ai plus besoin, petite. Pour la première fois, depuis des siècles, je me sens bien. Grâce à ta famille, je sais maintenant que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Le pouvoir de l'amour. Quoi? Au revoir, Mimi. Au revoir, Greg et Suzanne et... garçon. Il est temps pour moi de m'approprier ce nouveau pouvoir et de l'utiliser pour détruire la galaxie. Peggy, attends! On aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. À propos de quoi? Ok, ok, on va à l'hôpital. Ok, Greg, viens, on y va. Doucement. Greg, attention. Ok. Aurait détruit plusieurs endroits de la ville en faisant plusieurs PC. Cette créature violette est d'apparence extraterrestre et incontrôlable. Alistair, allez, c'est l'heure du dîner. De maîtriser la situation. Toutes les raisons de se battre. Il se bat pour la justice, la rédemption et l'amour. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne se baignera pas dans leur sang. Oh.
ne sait pas comment nous trouver, n'est-ce pas? Bon, très bien. Heureusement, Cortex a un plan B. Il y a toujours une porte de sortie. Alors, qui veut se tuer en premier? A nameless evil once buried forever. Now he's awake and he's ready for terror. But hold up, wait, there's a catch. This kid Mimi has a plan to hatch. With the magic gem, she has the power. The monster's her friend, it's her finest hour. They'll go on adventures, cause all kinds of trouble. Blow up the world and dance on the rubble. First he needs a name, something cool, it can't be lame. That's when it struck her, so cool and so mean. The monster would be named PG. Saw PG awaken from where he was buried. He has to be stopped, and who better to do it? Templar Pandora, yeah, it's time to move it. But they weren't the only team who noticed that PG was free. His old pals, like the Monster Man, showed up to betray him and take out the trash. But Mr. Gorman, he ain't a fool. He killed them all, yeah, he took them to school. And they'll never forget his name. It's the last thing that they'll say. Murdering monsters to blame. PG.